Le plus difficile, c'est pas de faire la musique. Le plus difficile, c'est de la réflexion avant, en fait. Une fois faire la musique, une fois que vous savez vers où vous allez aller, c'est pas si compliqué que ça. Dans le cas de La Science des Rêves, c'était l'histoire de ce personnage qui passait allègrement du rêve à la réalité. Et le challenge de cette musique, c'était d'arriver à être un personnage complémentaire de Gaël Garcia Bernal. Le thème principal a une histoire, c'est-à-dire que j'avais proposé une première version à Michel Gondry et il m'a dit c'est pas mal, mais ça me paraît un petit peu compliqué. En fait, j'avais construit ça sur un système rythmique assez élaboré avec des mesures qui changeaient en permanence pour symboliser un peu le malaise du personnage dans le film. J'ai simplifié le thème et finalement j'ai réussi à lui placer. Je faisais ça. Ça, c'était la version qui finalement était la plus simple, qui a été retenue pour le film. Sauf que, en fait, il a fait sur le DVD une version B du film. Et sur la version B, il est revenu vers moi, il m'a dit « Oh, tu sais, finalement, le premier thème que tu avais fait, je l'aimais bien, donc j'aimerais bien qu'on l'utilise pour le film B. » Écoutez bien, à la main gauche, vous allez voir, c'est exactement pareil, sauf que le thème n'est pas la même chose, il est évidemment plus compliqué. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, ce qui s'en dégage, c'est un univers assez poétique et onirique. Et en fait, c'était ça le challenge à trouver pour ce film-là, qui était vraiment sur la corde raide. C'était pas facile pour la musique, parce qu'il fallait vraiment que ça plonge pas ni d'un côté, ni de l'autre. Donc maintenant, je vais revenir vers donc ce fameux thème Golden the Pony Boy. En fait, Golden the Pony Boy est un thème que j'ai écrit à la lecture du scénario. Je ne l'ai pas écrit lorsque j'ai vu les images. À la base, il y a eu une séquence où on voyait des petits personnages en train de descendre des pistes de ski qui étaient symbolisées par des fils de laine. Et donc, en fait, l'histoire de ça, ce thème, c'est qu'il devait aussi symboliser finalement les passages entre la vie normale et le rêve de Gaël Garcia Bernal. Donc, en fait, il s'appelle Stéphane Mirou dans le film. Donc, j'ai choisi d'utiliser un système avec le mode majeur et le mode mineur et de les entrelacer, c'est-à-dire passer du mode majeur au mode mineur, c'est-à-dire avec la tierce notamment, évidemment, majeur ou mineur, et avec un espèce de continuum, c'est-à-dire avec la. Ça fait l'air compliqué comme mot comme ça, mais en fait, c'est la main gauche faisait quelque chose comme ça. Simple comme ça, et donc le thème c'est devenu ça, c'est-à-dire donc je passe, vous allez voir, du mode majeur en mode mineur.
En fait, c'était comme une petite comptine, comme ça, quelque chose de très simple. Et à la base, c'était une musique uniquement instrumentale. Et à la fin du tournage du film, j'ai dit à Michel, écoute, j'en ai fait une version chantée. J'ai pensé que ça serait peut-être bien pour terminer le film. Il n'était pas pour. Donc, ça fait exactement la même chose que James Cameron avec James Horner pour Titanic. Puisqu'en fait, il n'était pas question que My Heart Will Go On soit une chanson. Mais James Horner, le regretté James Horner, avait cette idée en tête et donc a enregistré la version avec Céline Dion. Et il l'a fait écouter donc, à James Cameron, qui, comme vous savez, donc, a finalement accepté et c'est devenu un tube mondial. Donc, je vous conseille d'insister auprès des réalisateurs lorsque vous avez des chansons à faire passer. Même si vous n'avez pas prévu, si lui n'a pas prévu d'avoir une chanson dans son film, discrètement, vous lui proposez. You can scold a burnt down rose. Use my books, they've been bad too. Oh, you can scold but down. Que les réalisateurs aujourd'hui attendent, c'est d'avoir des compositeurs qui ont de la personnalité. Donc, si vous arrivez en disant « je suis capable de tout faire », vous allez voir, il n'y a aucun problème, je peux faire face à tout. Alors, je vous dis tout de suite, il y a énormément de gens qui font face à tout. Le seul problème, c'est qu'il vaut mieux qu'on vous appelle pour la spécificité de votre travail, c'est-à-dire de travailler votre personnalité. Et c'est ça ce qui compte. Parce que sinon, les faiseurs, le monde est rempli de faiseurs. Les créateurs, il y en a beaucoup moins. Nous sommes les gens de l'ombre, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin, c'est-à-dire qu'on fait partie des deux métiers les plus dangereux de la profession du cinéma, c'est-à-dire le monteur et le musicien. Et pourquoi ? Parce qu'on peut être viré à la fin, tout simplement. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas virer le chef éclairagiste une fois qu'il a fait la lumière sur le plateau, ou le comédien. Mais par contre, le monteur, quand le film ne va pas, ben vous pouvez être sûr que la première des choses, c'est le montage ne va pas. Voilà, donc, et quant à la musique, alors là, c'est encore un grand problème, parce que forcément, la musique, c'est quelque chose d'un peu bizarre pour les gens du cinéma, dans la plupart des cas, pas tout le temps. Bon, effectivement, Michel Gondry connaît très bien la musique, mais c'est un job très compliqué, qui s'est quand même aussi simplifié grâce à l'apport technologique. Et là, je ne vais pas cirer les pompes de Native Instruments, mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que lorsque les premiers lecteurs d'échantillons sont apparus, donc on avait plusieurs sur le marché, Contact a été finalement le début de tout. Et pour les compositeurs, c'est devenu évidemment un partenaire incontournable et au fur et à mesure des années, c'est vrai que Native Instruments a su d'une façon très perspicace d'abord s'entourer de sociétés qui créaient des sons de grande qualité et ça inspire aussi, c'est-à-dire les sonorités inspirent. Alors bien sûr, on a les sonorités des instruments acoustiques qu'on connaît, le piano, les violons, les cuivres, etc. Mais également, lorsque vous êtes compositeur, vous avez besoin d'avoir de l'inspiration. Et quelquefois, les sons vous aident parce que ça vous fait voyager. Et j'ai utilisé le son du piano Una Corda dans ce film, dans pas mal de passages. Voilà, donc ça sort le 27 septembre. C'est là où c'est intéressant, parce que en fait, le Luna Corda est un piano qui existe réellement, sur lequel j'ai joué.
dont mon ami Erwan Carmorvan est l'heureux propriétaire. Et c'est un piano qui n'a qu'une corde par touche, contrairement aux pianos habituels qui ont trois cordes. Donc ça donne un côté un peu feutré et la réalisation du sampling de ce piano est remarquable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment extrêmement peu de différence entre le vrai piano Una Corda et le piano Una Corda qui a été samplé pour Native Instruments. Donc c'était pour terminer avec ça. Donc en fait, les sonorités sont aussi, font partie du travail du compositeur et on est très content quand on a des nouvelles sonorités comme ça à notre disposition. Merci Jean-Michel, ça a été un honneur et un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir.